Et si ce matin vous alliez au travail non pas en voiture mais à vélo, certains manchois et manchoises le font par choix, par conviction, pour des raisons de santé, pour des raisons écologiques mais aussi financières. Nous sommes allés à la rencontre d'une d'entre elles. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 56 ans, je suis infirmière à l'hôpital Pasteur et je viens prendre mon vélo pour aller au travail. Mais en fait, ça fait 3 mois que je prends mon vélo pour aller au travail. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Je n'ai pas repris une seule fois la voiture pour aller sur mon lieu de travail. Alors pourquoi? Parce que je ne fais pas beaucoup d'exercice physique et ça me permet de me maintenir en forme. Et voilà. En fait, la location de ce vélo à assistance électrique me coûte 30 euros par mois. Ce qui est nettement inférieur au prix que pourrait me coûter un plein d'essence que j'utilisais à peu près par mois, donc entre 60 et 80 euros. Le cadre de santé qui vient en trottinette m'a informé qu'il existait une prime de mobilité durable pour les personnes qui se déplacent en vélo ou en trottinette. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une bonne nouvelle. Actu.fr